Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une maquette récente qui a été éditée par Polar Lights et par Round 2, mais je pense que c'est une réédition. Il s'agit de la Batmobile et je vous ai déjà présenté il y a bien longtemps une Batmobile Ouin 32, si je me rappelle bien, qui était dans une boîte en métal. Qui m'avait un petit peu déçu parce que c'est très clairement la réédition d'une maquette, d'une vieille maquette des années 60. Je crois que c'est même une maquette Aurora, donc ça date vraiment d'il y a une éternité. Là, cette maquette-là, je ne sais pas de quelle maquette elle est tirée, mais elle est au 1/25e. Et pourquoi c'est intéressant pour moi? Tout simplement parce que l'échelle est supérieure. Ensuite, ça va me permettre de la comparer avec une maquette que l'ami Fred, coucou Fred, m'a passée il y a bien des années aussi. Il s'agit donc de la Lincoln Futura et donc j'ai la maquette déjà montée donc en loose en civil on va dire avant modification pour devenir la Batmobile de la série de 1966 et donc la comparer avec cette maquette là donc en 1/25 donc à la même échelle ça peut être sympa mais en plus la maquette est livrée avec des figurines de Batman et Robin c'est juste excellent c'est parfait pour ce que je veux faire donc voilà, une maquette au 1/25e qui est bien remplie en plus, avec des jolies images. Donc là, c'est la Batcave. Là, c'est Batman et Robin dans la Batmobile. Bon, c'est juste dommage que ce soit une image en noir et blanc. Hop, vue de face. Encore une image en noir et blanc avec les deux acteurs, dont Adam West. Rien à voir avec moi. Là, une autre image. Donc la Batmobile en pleine poursuite peut-être. Et à l'arrière, donc de quoi vous donner envie de prendre la maquette puisque vous voyez qu'il y a donc des photos du modèle monté et peint, mais du modèle monté et peint avec les figurines et elles ont l'air vraiment pas mal. Il y a le moteur de la bagnole dedans, tous les détails, les petites bandelettes rouges qui sont des décalcos je crois, et vous voyez que c'est quand même relativement récent parce qu'il y a carrément un QR code. Et vous voyez donc le logo Round 2 alors que c'est une maquette Polar Lights. Je vous avoue que je suis assez surpris parce qu'en plus la boîte est vraiment très très bien remplie, mais vraiment à fond. Ce qui est assez rare avec les maquettes américaines, d'habitude les maquettes américaines, vous avez de grosses boîtes et puis dedans il y a de quoi mettre au moins 3 ou 4 maquettes identiques. Voilà, mais là c'est très très plein. Mais en plus de ça, la présentation est super soignée. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que l'intérieur de la boîte est littéralement aux couleurs des onomatopées qu'on voit dans la série. Et je trouve ça super bien trouvé. C'est un bel hommage. Très très bel hommage à cette série des années 60 que j'aime pas trop, mais qui me rappelle de bons souvenirs parce que, en fait, comme beaucoup de personnes de ma génération, hein, des années 70, moi j'ai surtout connu Batman par les comics et surtout par les jouets. Et les jouets à ce moment-là, c'était des figurines, la Batmobile des années 60. Et la Batmobile des années 60, c'était chez Corgi, Corgi Toys. J'adorais ce jouet, j'adorais vraiment ce jouet. Je l'ai encore. J'ai aussi le bateau qu'il pouvait tirer avec une remorque. Je crois que j'ai l'hélicoptère. Ça, c'est un peu moins intéressant. Mais je sais que donc la voiture de la Batmobile des années 60, en petit et en grand, me rappelle donc mon enfance quand j'avais pas encore 10 ans. Et ça, c'est juste formidable. Donc là, vous avez la planche de décalco qui est quand même super bien fournie, avec tout plein de petits détails et tout, les petits logos pour les jantes, je crois, des roues. Les enjoliveurs plutôt. Et on va peut-être passer à l'intérieur de la boîte et à la notice. Donc notice en noir et blanc et en anglais. Parfois Round 2 ou Polar Light se mettait des trucs en français, mais là apparemment ce n'est pas le cas. Pas de présentation des pièces en présence, peut-être à la fin de la notice. Apparemment c'est pas le cas, c'est étonnant. Et donc on commence par le moteur, ensuite les suspensions et
les pots d'échappement, le châssis, là, l'intérieur de la voiture, la carrosserie, d'autres détails à rajouter sur la carrosserie, peut-être même, je sais pas si ça s'appelle des garde-boue pour ces trucs-là. On rajoute donc, je sais pas si on peut appeler ça des pare-brise. Ça, je sais pas trop ce que c'est, j'avoue. Est-ce que ça se rajoute Je sais pas. Là, je vois pas. Et enfin, on rajoute tout, y compris le capot. Et là, donc, il y a toutes les petites décales à placer sur le tableau de bord, le volant. Et peut-être même des choses à mettre sur les figurines. Ici. Ça va le faire. C'est pas super clair, mais il y a souvent des petits problèmes sur les notices de Round 2 et de Polar Lights. Je sais pas pourquoi. Mais ça devrait le faire. Les pièces. Alors, là, on a quand même quelques détails avec des grappes où il y a des flashs dessus. C'est pas grave, hein, puisque c'est c'est pas les pièces qui ont des flashs, donc ça va. Mais ça voudrait peut-être dire qu'effectivement la maquette n'est pas récente, n'est pas des années 2000. Parce que je pense pas l'avoir précisé, mais je crois que la maquette est de 2014. Et là donc, quelques pièces transparentes, même réflexion pour les flashs. Hein. L'arrière, je sais pas, ça me fait penser à un cockpit. Oups, là j'espère qu'il manque pas cette pièce là. Ça doit être quelque part parce que là rien n'est protégé. J'ai acheté ça d'occasion. Hein. Là, des pièces chromées. Est-ce que c'est là autant profiter les figurines? Alors, moi franchement, je les trouve sympa, bien foutu. Sont-elles en plastique, sont-elles en résine? J'aurais tendance à dire plutôt résine, mais bon, je ne sais pas. Et donc là, pas plein de pièces avec des détails qu'on verra certainement pas du tout. Alors peut-être là le réacteur. Ici des pièces du moteur, encore une fois des flashs partout, mais pas sur les pièces. Encore une fois, c'est ce qui importe le plus. Donc essentiellement des pièces noires, hein, vous voyez. Là, donc partie de la carrosserie. Là, le tableau de bord. C'est intéressant de comparer ça avec la Lincoln Futura. Là, c'est des grilles d'aération peut-être. Hop. Là, un gros morceau de la carrosserie. C'est beau. Alors, si tout va bien, la pièce transparente perdue est là. Elle ne l'est plus. Encore quelques pièces donc chromées. Là, j'allais dire de vraies roues, de vrais pneus en caoutchouc. Encore quelques pièces qui se baladent. Voilà, et même les détails ici. Donc c'est quand même nettement plus détaillé que la maquette au 1.32 que je vous avais déjà présenté, ça c'est sûr, mais je pense que la maquette n'est pas toute jeune, mais elle est belle quand même, et même très très belle. Voilà, ça complète mes maquettes Batman. Il y a bien d'autres voitures que j'aimerais bien avoir, comme la Lotus Esprit en sous-marin de James Bond, ou justement toujours de James Bond, la fameuse Aston Martin, hein, voilà, qui n'a pas rêvé d'avoir la voiture mythique de James Bond, qu'on voit d'ailleurs dans plusieurs films, hein, pas qu'un seul. Et voilà, du moment que c'est en rapport avec une licence, surtout d'un film ou d'une série télé, moi ça m'intéresse. Voilà, et ben écoutez,
on en a fini avec la présentation de cette Batmobile des années 60. Moi je pense que c'est un très beau modèle. Voilà. En plus la présentation de la boîte fait vraiment honneur à la série, elle est dans l'esprit de la série. Ça m'a l'air d'être un beau morceau. Il y a les figurines avec, c'est super, moi je suis très content de l'avoir. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur PayPal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, peut-être d'un nouvel objet Batman.